Eh bien, salut tout le monde, c'est Abixel et aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de notre Let's Play sur Kingdom Hearts. C'est donc en dernier épisode, on s'était laissé dans le monde, encore une fois, d'Aladin. Et donc dans ce monde d'Aladin, on va devoir sauver notre chère Jasmine qui s'est fait enlever par Jafar le Malicieux, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, dans ma description. Est-ce que j'ai bien dit? Je ne sais pas. Mais enfin bref, on va aller dans les airs parce que c'est là où on va aller. Mais avant, on va aller prendre quelques objets, quelques potions. Ça serait plutôt pas mal parce que si on se fait attaquer par des boss et tout, ça va être un peu la merde. Et je vous l'ai dit dans le dernier épisode, il va y avoir pas mal de boss dans cet épisode et ça va être assez ouf. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des potions déjà. Une potion, un nether, une tente. Et on a quand même pas mal de sous. On a 1086 munis, ce qui est assez cool. Tu as déjà le maximum. Ok, très bien. Donc, on va sortir de là tout de suite. Et donc, je vais vous récapituler. Voilà. Le dernier épisode. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Eh bien, Jafar, mis à part prendre Jasmine et sortir de là, on va devoir trouver les serrures. La serrure de ce monde qui va nous servir à la fermer. Parce que, voilà, après, sinon, les 100 coeurs vont arriver et ça va être un peu la merde. Et donc du coup, on va trouver cette serrure et on va tourner cette serrure. Et donc on va aller dans l'entrée de la ville et aller aussi dans le désert. Parce que c'est là-bas qui est notre prochain objectif. Aller dans le désert, donc c'est par là, hop. Ok, alors... Maintenant, c'est où qu'il faut aller. La tête de tigre est possédée par les sans cœurs. Libérez-la de l'emprise des ténèbres. Ok, donc on va devoir tuer ce boss. Enfin, ouais, on peut dire que c'est... Ouais, ça doit être un boss. Donc, c'est parti. Comment on va faire? Comment on va faire? Je ne sais encore trop rien. Je suis désolé si je parle un peu bizarrement. C'est que je parle un peu trop vite. Et j'en suis désolé, faut que je me restreins de parler pas trop vite. Aïe! Alors, tu vas te calmer. Vous allez vous calmer direct. Moi je vous le dis tout de suite. Ah. Oh non non non. Oh non non non. Non non, ça va pas le faire. Là ça va pas le faire du tout. Ah, ça va pas le faire du tout, moi je te le dis. Ah, level up. On a level up, c'est cool. Donc en gros je pense qu'il faut tuer tous les trucs. Alors je fais juste une pause. Je regarde notre truc, Tigre des Sables. Ok, on doit rester près du boss. Donc c'est pas ce qu'il faut faire là maintenant. Il faut détruire les yeux du boss. Et comment le détruire? Oh. Non, on peut pas sauter par là. Il faut le détruire. Bon, on va devoir... Ah, ok. Non. Je sais pas. Oh putain. Ok, je pense que c'est quand il s'abaisse qu'on va devoir le taper. Allez, dégage-toi. Boum. Ah. Soin. Ok, nice. Donc lui, comment on va le tuer? Il faut le trouver. Faut trouver ses yeux. Faut peut-être sauter comme ça, je ne sais pas. Ah ouais. Ok, très bien. C'est... Ok. Alors, c'est peut-être comme ça. Aïe. Alors, si la caméra bouge comme ça, ça va pas trop le faire.
Allez, comme ça. Je suis désolé, faut le faire pause. Faut que je prenne une petite potion. Allez, normalement, ça doit être easy. Oh. Oh putain, il m'a poussé. Ah d'accord. Bon, j'avais cheaté. Ah. Ah, ah, ah. Une petite potion. Aïe. Allez, déjà le premier œil. Le premier œil, s'il te plaît. Allez, crève. On va y arriver. Oh putain. Prends un peu un soin de magie. Allez. On tape les œils. Les yeux, pardon. Pas les œils, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas français du tout. On a un peu de soin. Aïe. Aou. Aou. Ah, ils vont me saouler. Allez, on va prendre du soin. C'est chaud. Aïe. Ah. Ah oh, mais vous avez pas me... Ouh là là. Ah. Oh, 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 c'est compliqué. Ah oh, mais arrête. Allez, les yeux. Oh non. Oh non. Bon, je vous fais une ellipse parce que ça va durer longtemps, je pense. Donc, petite ellipse pour ce boss. Et on se comprendra après que le boss sera terminé. Donc, voilà, ellipse. Eh bien, enfin, j'ai pu battre le tigre de sable, voilà. Enfin, j'ai enfin pu le battre. On a tous level up, c'est cool. Et Dingo, il avait level up tout à l'heure. Bon, ce qui est plutôt cool. Et enfin, on a terminé ce boss. Oh là, mes amis, c'était chaud bouillant. J'ai pété une crise, mais ça va. Là, ça va. Alors, on va pouvoir rentrer dans la caverne maintenant. Oui, parce que je dois vous le rappeler, on doit aller dans la caverne des merveilles. Et tout comme dans le film, hein, l'entrée du tigre, eh bien, c'est l'entrée de la caverne. Et donc, on va rentrer tout de suite. Caverne aux merveilles. C'est parti, les amis. Let's go. Ok. Oh, putain. Alors là, déjà, ça sent pas trop bon. Hein. J'aime pas très ces choses-là. Alors, on va les enlever tout de suite, ces connards-là. Ils m'ont saoulé tout à l'heure. Oui, j'ai suivi le garé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Là, ça m'a saoulé. Oh non, sale relique. Oh non. Oh là là. Oh là là. Ils m'ont... Oh non. Oh non, mais pas ça. Oh, je suis tombé. Oh merde. Bah, c'est pas grave. On remontera. Hop là. On va ouvrir ça. En premier lieu. Bague foudre plus. Est-ce qu'on peut... Mince. Ok. Je voulais assigner les trucs, équipements. Augmente l'attaque. Ok, ah ça je vais oublier de le dire, mais il y a quelqu'un qui m'a dit d'utiliser ça parce que ça nous fait gagner beaucoup plus de trucs. Donc on va utiliser ça dans le fauve. Dingo, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre brasier. Voilà, ça aussi. On fait un peu ça à la va-vite. Collier carapace plus, collier de machin, Aladdin. Ok, nickel. Ok, là ça va. Là je pense qu'on est plutôt pas mal.
On va arrêter de se failer. Là, franchement. Ce boss, honnêtement, le boss hein, du tir, il était très, 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 très chaud. J'ai cru que j'allais jamais mourir. Aide. Il faut l'aider. Il faut l'aide d'Aladin. Quoi? Il faut l'aide d'Aladin. Ok, il faut l'aide d'Aladin. On va utiliser la marque trio, tiens. Allez. Ok, on a un coffre. Quel est ce coffre? Il m'a l'air très chelou. Mais il m'a l'air bien cool. On va ouvrir. Bloc foudre. Très bien. Ah, mais en fait, on n'a pas respawn au, bon, au même endroit que tout à l'heure. Ah, si. Au même endroit que tout à l'heure. Enfin, si. En fait, si. Allez. Ah, ouais, non, en fait. Ok. Donc là c'est la salle. Là il n'y a pas de salle. Ah ils peuvent pas dégager tous ces cons là, j'aime pas ça. Ils touchent déjà bien. Oh non, pas rentrer. Non, allez, sors de moi de là. Ah je me paume. C'est n'importe quoi, je me paume. On était bien tout à l'heure, on était bien, on était bon. La porte est juste là-bas. On y court. Sans trop se fail. Allez. Oh putain, mais la caméra est horrible. Elle est horrible, je vous le dis honnêtement. Si vous jouez sur émulateur, je pense que je l'ai déjà dit, mais si vous jouez sur émulateur, elle est horrible. On ne peut pas... Attendez, allez, faut que je saute. Voilà. On va pas prendre le coffre, hein. Les coffres, je vous l'ai dit, on va les oublier parce que ça va être chaud. Donc, salle de trésor. Oh, nice. Oh, c'est joli! Oh, franchement, c'est super joli! Ça fait bien référence à Aladdin. Et c'est super. Super joli. Bon. On va casser du monstre. Ils m'ont saoulé. Ah, mais il me. Oh, mais il m'énerve! Allez, putain! Il m'empêche de faire ça, quoi! Allez, toi tu te casses. Voilà, level up. Bon, c'est notre level up qu'on avait gagné tout à l'heure, mais c'est pas grave. Allez. On peut, je pense, monter maintenant cette fois-ci. Tranquillement. Oh non, mais... Il y en a encore, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ils vont me saouler. Ah, il me saoule. Bon. Attends, il y a examiné. Celle de la lampe. Examiné. Impossible de le déplacer. Explorons les autres salles. Ah ouais, d'accord. Ok, faut entrer dans la salle du silence. Mais dans quelle salle du silence? Ah bon, on va, je descends par là. On va voir comment on va s'y prendre. Ah ouais, d'accord. Hop, ils descendent.
touché. Ok, ça nous ouvre un passage. Je pars un peu dans tous les sens. Hein. Je pourrais pas dire, mais on part un peu dans tous les sens. Dans cet épisode, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas par là. Je pense que c'est plutôt par là-bas. Ah, salle des ombres. Il y a la salle des ombres. Ah, il y a un point de sauvegarde. Ah, nice. Allez, salle des ombres, nickel. Oh non, pas la salle principale. Non, non, non. Je veux pas y aller. C'est pas par là que je veux aller. C'est la salle des ombres. Ah, la salle des silences. Allez, sûrement. Ah, salle du silence, voilà. C'est ici. Et là, on va devoir utiliser la LED d'Aladin. On va remonter. Mais on va prendre Aladin. Enfin, je pense que c'est là où on peut prendre les groupes. Donc on va les prendre Aladin. Où est-ce qu'elle est déjà la sauvegarde? Non, elle est peut-être pas là. Elle est pas là. Elle est là. Salle des ombres. Elle est dans la salle des ombres. Non, non, non. Reviens pas. Reviens pas. S'il te plaît, ne reviens pas. Voilà, on va l'utiliser. Sauvegarde. Compagnon. Aladin. Aladin Donald. Voilà. Bon, non, et Dingo, mais c'est pas grave. Voilà, on a Aladin. On va pouvoir l'utiliser. Peut-être que l'épisode va durer hyper longtemps ou pas. Je pense que je vais faire pas mal d'ellipses parce que ça va être ellipse. Non. On va pas faire d'ellipses. Je vais surtout faire des accélérations ou des ellipses. Ouais, oui, en fait, des ellipses. Oui, je suis indécis. Très indécis. Parce que là, je bloque. Honnêtement, je bloque. Enfin, là, on a trouvé, mais je bloque, mais c'est un truc de malade. Là, je vous le dis, voilà. Aladin, vas-y. Enfin, bref, là, on bloque plus. Voilà, on a trouvé ce qu'il fallait faire. On va pouvoir passer par là. Salle des ombres, on part là-bas. Hop. On va ouvrir. Attendez. Bon. Mais il y a une porte qui s'est ouverte. Je ne sais plus où. Ah bah attends. Attendez. Hop, on va aider. On va utiliser ça. Hop. Alors je vous le rappelle, dans le film, Ozu, enfin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Son petit animal de compagnie, Aladin, eh bien il peut, dans le film il avait, enfin il peut, il a touché la statue dans le film, et donc du coup ça fait apparaître quelque chose, et donc ça fait référence au film, bien évidemment, de Disney, et ça c'est plutôt la classe, que ça fasse des références comme ça, c'est bien cool. Moi franchement j'aime bien, je suis pas un fou furieux de ces trucs, mais c'est quand même bien sympathique. Alors là on va pas essayer de se failer, de passer de l'autre côté, sinon ça serait un peu la merde. Thank you.
Ah, ils vont jamais nous laisser tranquille. Hein. Allez, on ouvre ça. Pavillon. Très bien. Donc là, on peut pas aller par là. On va sortir par là. Hop. Salle principale. Donc, salle principale, ça va être super hard. Il va y avoir des ennemis partout. On doit aller dans la salle secrète. La salle secrète, je ne sais plus ce que c'était. Salle secrète. Alors, on est dans... là, c'est l'entrée, pas du tout. Faut pas aller là. Il y a une autre salle, alors je ne sais plus où c'est. Aïe. Voilà. Toi, tu dégages. Oh non! Je dois revenir là. Allez. On revient. Bon. Là, l'épisode est assez chelou. Hein. Je vous l'ai dit depuis le début. C'était assez ouf comme épisode. Assez ouf dans le sens où... c'est assez chaud. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah oh, mais il m'énerve, il y a toujours des mobs qui viennent. C'est quoi ça? Voilà. Ah ah oh! Attendez. Salle du silence. Je sais plus où ce que c'était la salle du trésor. Salle secrète, voilà, c'est là. Oh, enfin. Bon. C'est par là. Punaise, quoi. Punaise. J'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Hop. Ce pays a l'air d'être lié à une salle du haut. Ce pilier a l'air fragile. Ah ouais, ok. Je sais ce qu'il faut faire là, il faut faire. Mince, putain, mais... ah mais putain, mais ça me fait n'importe quoi. Bon, faire brasier, voilà. Donc la salle casse. Et normalement... voici mon premier vœu, génie. Montre-moi la serrure. Donc voilà, je vous le rappelle, Jafar avait pris Jasmine et a pris aussi Génie qui le fait... assez pas envie quoi, en gros il a pas trop envie de l'aider même s'il est obligé. Et donc on va y revoir, on va aller voir ce Jafar dans le prochain épisode. Parce que voilà, cet épisode on va dire qu'il est un peu chelou. Il va être un peu trop long, je ne sais pas. Ou quoi, de toute façon s'il est trop court c'est pas trop grave. Je pense, hein, je pense clairement que même s'il sera trop court, on va quand même se laisser une petite pause parce qu'après là ça va être le boss Jafar. Et le boss Jafar on va le faire dans le prochain épisode, dans l'épisode 13 de Kingdom Hearts. Donc cet épisode aurait été quand même assez long, assez fou. Faut le dire clairement, c'est fou. Il y aura pas mal, eu pas mal d'ellipses je pense. Ma voix a failli pas mal de fois, je ne prenais pas compte de mes... de mes actes, de mes comment on appelle, comment on peut dire ça, de mes trucs assez chelous que je dis alors que ça n'a aucun sens. Bref, c'est pas grave, j'espère que ça vous aura plu quand même cet épisode. Moi j'aurais quand même pris pas mal de plaisir même si j'ai eu du fail,
me suis énervé beaucoup, j'aime beaucoup ce jeu. Mais bon, parfois on peut se fêler et ça devient très chiant. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo et à la... et allez vous abonner à la chaîne. Voilà, je me suis encore failé, c'est n'importe quoi. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Kinomers, le 13ème épisode. Putain, je viens de taper dans mon micro, j'espère que ça n'a pas coupé ma... Non, c'est pas coupé, j'espère. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Kinomers, l'épisode 14 de Kinomers, dans lequel on va aller devoir tuer Jafar, qui lui, vous savez, maintenant a la serrure. Et s'il ouvre la serrure, eh bien on est dans la merde, puisqu'il va mettre des sans-cœurs un peu partout et ça va être la merde. Donc du coup, on va aller sauver Jasmine, qui aussi détient Jafar. Jafar détient Jasmine. Et puis, on va sauver ce monde et on va aller dans un autre monde prochainement, dans le prochain épisode, je pense. Donc voilà, après avoir battu les boss. Bon, enfin bref, voilà. J'espère que cette passe vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 14 de Kingdom Hearts. Allez, c'était les Pixels et je vous dis à très bientôt. Bye bye.